d'envoi. On découvre le 5 majeur du MSB, Selom Mawoukbé, Léopold Delaunay, Abdoulaye Ndoy, Deshaun Schwartz et Devante Jones. Un petit peu de changement pour Eric Delors, avec pas de Nate Mason dans le 5, pas de Wilfried Digueté non plus, pas de William Snarat. Et le 5 majeur, vous l'avez vu très rapidement pour l'équipe de Blois. Première possession pour le MSB. On a pu les voir notamment sur Squeak du côté de Marseille lors de l'étape du World Tour. Ah, c'était Fosséenne. Pas mal fait ça, très bien fait même. Ah, il était dur ce move. Et il tombe dedans pour Matt Lewis. Interception. Et William Snaras qui va aller pouvoir tout claquer à 2-1. Snaras. Voilà, volé, Rion Brown. Tentative à 3 points qui tombe dedans. Mason. On avait vu quelques bribes, pas mal, la passe et le dunk. Oh, quelle séquence pour le MSB avec à la finition Léopold Delaunay qui continue lui aussi sur la lancée de la semaine dernière. Pas mal ce move, pas mal, oh énorme. Oh, il l'a mis dans le vent son vis-à-vis. Il est dur ce shoot, il le met, Carberry, oh quel début de match, les amis, on se régale. Ce ballon dans le cercle. William Snaras, c'est dur, il était pris à deux, William Snaras. Il a vu l'aide arriver, qui n'a pas attendu. Jones, face à Armel Traoré, son ancien coéquipier à Boulogne-Levallois. La bonne passe, Devante Jones pour William Snaras, le MSB. 35 partout, temps mort, demandé par Michael Hay. En tout cas plus haut que son coéquipier. Ah, bien ressorti, le shoot à 3 points, Nate Mason. C'est un scoreur né par Deshaun Schwartz sur la ligne de fond. Il en est capable, Josh Howley. Ça va vite, Devante Jones, et ça va au bout avec le N1. Lui aussi, forcément quand l'adresse commence à fuir, et eh bien... Le vent. Et attention, passer le milieu de terrain, voilà. Ah, ballon volé. Et ça va aller au dunk, ça va aller très très haut. Avec Selom Mawoukbé. Oh, quel show à Antares. Dit généralement au meneur, hein. Pas arrêter le dribble. Sur la mise en place du jeu, bien à la passe. Mason qui trouve Yegueté tout seul sous le cercle. Ouais, ça y est, on commence à voir un Nate Mason un peu dans le collectif. Ballon volé, la presse tout terrain, j'en parlais, Devante Jones. Eric Delors. Ah, la bonne protection, hein, de MSB reste en tête avec 8 points d'avance. Ah, Deshaun Schwartz, c'est pas mal fait, il a la faute. Et le 2 plus 1 pour Deshaun Schwartz. La prise à 2, la zone presse demi-terrain proposé par les hommes d'Éric Delors. Ça a été battu, et comment, par les Blaisois avec le tir à longue distance de Tobin Carberry. Et déjà dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps, cette première période qui a filé à toute allure, hein, avec un rythme effréné, le contre de Thomas Yocourtois. Du jeu rapide, 4 contre 1 à négocier. Rion Brown qui va au bout. Digueté, la met à l'intérieur sur Ndoy, bien circulé pour un panier facile pour William Snaras. Le cercle, le contre, Josh Howley qui a dit non.
Carberry, step back pour créer de la distance. C'est bien fait, c'est très fort pour passer par-dessus le défenseur. Quel move! Oh oui, de scorer pas mal de points, toujours avec son petit hook shot main droite. Hein. Traoré, bien la vision pour trouver Josh Howley. Cette fois, on a envie de dire que c'est... Ouais, la rotation est un peu en retard, mais délicieuse la passe, magnifique ce mouvement pour aller trouver le shoot de Carberry. Mérité meilleur sort tout ça. Naras, la contre-attaque, la faute et le N1. Oh, Williams Narrer. Il n'a pas posé un dribble du troisième quart-temps. Il en est à cette pénétration de Carberry. Oh oui, Devante Jones. Allons voler. Pas Josh Howley qui va aller se faire un petit plaisir. Le dunk à deux mains. Ah oui, il a les capacités de mettre 0-2. Pas le plus grand intérieur. Josh Howley, mais ça monte haut, vite. Il a des bons appuis, très mobile. Endoy, la bonne passe pour Willy Guetté qui monte au dunk sereinement. Et pourquoi pas lancer un run avant la fin du troisième quart pour les Blaisois. Léopold Delaunay retrouve Matt Lewis, la grosse ficelle de Matt Lewis. Vergia, Yeu Courtois, Maxime Skonar prend sa chance et met dedans la grosse ficelle. Non, il y avait faute, c'est bien ça, sur Devante Jones, que voici de nouveau à l'œuvre. Devante Jones, quand il a envie d'aller au cercle, il est dur à arrêter. Voilà qui est fait. Oh, la bonne passe, Thomas Yeu Courtois, qui a bien trouvé, été trouvé par Matt Lewis. Ça a touché le pied de Carberry. Oh, Matt Lewis, c'est fort. Il réclame la faute en plus. Oui, bien sûr qu'il va le jouer. On va venir aider très vite côté MSB. Armel Traoré, Barbic. On a trouvé un bon tir pour Milan Barbic. Oh là là, j'ai cru qu'il allait monter tout fracassé. Josh Howley, il a préféré déposer ses ratés. Nate Mason de l'autre côté. Le alley-oop fini en douceur par Williams Narras. Un bijou de passe signé Nate Mason. Howley à 3 points. Et l'interception Milan Barbic. Vient voler ce ballon et attention Blois. Blois qui revient à 8 petits points. Mason. Ah, ça se passe en haut de l'écran. Pas bien vu. Ah oui, la retombée sur le pied d'Armel Traoré sur le pressing. Blaisois. Avec Schwartz qui a pris l'intérieur, nouveau ballon volé et une contre-attaque tranquille pour aller au dunk. Josh Howley qui va aller tout fracasser et qui ramène Blois à 6 petits points. Qu'ils peuvent le faire les joueurs de l'ADA. Oh, il en aura claqué un petit paquet ce soir, Josh Howley. Il met des billes pour rentrer dans le top 10 de la semaine. Williams Narra, c'est manqué. Oh, et le rebond qui finit dans les mains de Deshaun Schwartz, bien heureux de se retrouver avec ce ballon à aller dunker dans le cercle. Et le flotteur Devante Jones qui a pris les responsabilités, qui redonne 10 longueurs d'avance au Mans à prendre les bons tirs sur le compte de la fatigue. Ah, et en plus ce genre de ballon récupéré et redonné direct derrière Devante Jones. Nouvelle passe décisive à nouveau pour Williams Narras. 18 points, 7 rebonds, 4 passes, 24 dévals côté Blois. Milan Barbic termine meilleur joueur de son équipe avec 23 points, 3 rebonds, 3 passes, mais c'est bien Le Mans qui s'impose 110 à 96. Première victoire de la saison pour les hommes d'Éric Delors à Antares. 110-96, c'est le score final.